Au milieu du XVIe siècle, le roi d'Espagne et empereur germanique Charles Quint dirige un empire gigantesque qui va de l'Amérique latine aux Philippines. L'Amérique espagnole est partagée entre les vice-royautés de Nouvelle-Espagne et du Pérou. Ces vastes territoires sont peuplés par des ethnies très diverses. Aztèques, Incas, Quechua, Mayas ou encore Caraïbes, tous sont désignés par les Européens sous le terme générique d'Indiens. La domination européenne a des conséquences désastreuses pour les autochtones des Amériques. Après une période de conquête particulièrement sanglante, le choc microbien décime les populations. Les survivants sont soumis au travail forcé dans les entreprises minières ou agricoles dirigées par des colons. Les violences se multiplient, malgré les critiques de l'Église. En août 1550, Charles Quint décide d'ouvrir un grand débat pour décider de la manière de traiter les Amérindiens. Les plus brillants esprits du royaume sont convoqués au collège San Gregorio à Valladolid. Au cours des discussions, deux personnages charismatiques se distinguent. Bartolomé de las Casas, un ancien missionnaire dominicain, et Juan Rines de Sepúlveda, un théologien proche de l'empereur. Les deux débatteurs s'entendent sur un point fondamental. Suite à la conquête des Amériques, le roi d'Espagne a reçu de Dieu la mission de convertir les Amérindiens au christianisme. Cependant, ils sont en désaccord sur les moyens à employer. Faut-il utiliser la violence pour soumettre les Amérindiens ? Arguments et contre-arguments se succèdent. Les Indiens sont des esclaves par nature, incapables de se gouverner eux-mêmes. Ils sont donc voués à être dirigés et exploités par les Européens. Lors de mes missions en Amérique, j'ai pu constater que les Indiens étaient parfaitement capables d'apprendre les arts et les sciences. Notre travail doit donc viser à les former plutôt qu'à les dominer. Les Indiens se distinguent par des rituels sanglants, comme le cannibalisme et des sacrifices humains. Il nous faut mettre fin à ces coutumes barbares au plus vite. Les civilisations européennes se sont elles aussi par le passé livrées à des pratiques cruelles. Les Indiens les abandonneront d'eux-mêmes en adoptant le christianisme. En vénérant leur divinité païenne, les Indiens se sont rendus coupables du péché d'idolâtrie. À la différence des Juifs et des musulmans, les Indiens n'ont jamais entendu parler du message du Christ. On ne peut donc pas leur reprocher leur polythéisme. Les Indiens ne se tourneront pas d'eux-mêmes vers la vraie foi. Le moyen le plus rapide et le plus efficace de les évangéliser est de les asservir par la force. Utiliser la violence ne fera que dresser les Indiens contre nous. L'évangélisation sera plus profonde si elle passe par l'argumentation et l'exemple, plutôt que par la contrainte. La dispute prend officiellement fin en mai 1551, mais les débats se poursuivent par de nombreuses publications et échanges épistolaires. En 1559, Las Casas publie un ouvrage dans lequel il dénonce les crimes commis par les colons espagnols aux Amériques. Ces arguments poussent la couronne à adopter plusieurs lois punissant les violences abusives et interdisant la réduction des Amérindiens en esclavage. La controverse de Valladolid marque un tournant dans l'histoire intellectuelle de l'Europe. C'est la première fois qu'un pouvoir colonisateur s'interroge sur la légitimité de sa domination. Ses effets concrets sont cependant limités. Elle pousse la monarchie à adopter plusieurs lois visant à améliorer le sort des Amérindiens, mais elle ne met pas fin aux inégalités et laisse le champ libre à la déportation de millions d'Africains dans le cadre de la traite négrière.